Buonasera a tutti. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette rencontre du titre Coudre l'espoir. C'est le titre de ce rendez-vous, mais c'est aussi le titre du beau livre publié par Amy, éditrice missionnaire italienne, le dernier septembre, pour pouvoir permettre au public italien de connaître et rencontrer l'histoire de Rosemary. Sœur Rosemary, qu'on est bien ravis d'avoir ici avec nous ce soir et qu'on accueille avec un applaudissement. Bienvenue. D'étudiante de médecine en dernière année et en pensant ce soir, j'avais un peu de mal à penser comment introduire un personnage si important et intéressant. Et par chance, j'ai eu la chance d'avoir lu le message du pape François avec le message qu'il a envoyé. Régner son propre héritage, c'est un engagement que la Mère Église appelle à chaque génération. Et les sans-pères invitent à ne pas se laisser avoir peur par les souffrances qui font partie du chemin. On ne doit pas regarder la réalité par le balcon. On ne doit pas rester confortablement assis dans le canapé pour voir le monde dans la télé. Seulement en regagnant les vrais, les biens, les bons que nos pères nous ont donnés, on pourra vivre comme nouveauté le changement d'époque où on est immergé. Pour communiquer les changements dont les hommes en vue dans l'Évangile. C'est une synthèse parfaite pour la raison pour laquelle on a invité Sœur Rosemary, parce que c'est une témoin convaincante de l'Évangile, pour nous faire partie des souffrances dont elle nous racontera. Sa vie est une vie donnée et pour redonner des dignités à beaucoup de filles martyriées et aussi obligées à s'échapper de leur maison, aussi à tuer leur famille, leurs parents, parce que kidnappées, enlevées par des hommes en Ouganda à la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000. Ce groupe, juste pour donner quelques données, a obligé 2 millions, plus de 2 millions de personnes à quitter leur maison et ils ont envolé presque 100 000 enfants. Et c'est vraiment dans ce contexte que Sœur Rosemary vit et passe les années de sa jeunesse. Elle provient d'une famille catholique et depuis qu'elle est toute petite, elle s'est distinguée pour ses habiletés, son intelligence, mais surtout pour sa foi. Et en lisant son beau livre publié par Amy, ça a été la première chose qui m'a touché, qui m'a frappé. Le lien très serré avec le titre du meeting de cette année, parce que dans son histoire, c'est bien évident que seulement si notre réagir est fondé sur la certitude de la foi, on peut construire l'espoir, même dans un contexte si difficile. Il m'a permis aussi de comprendre mieux l'image qui a été donnée au meeting, cette image classique d'un arbre avec des solides résines, parce que les œuvres qui ont commencé pendant ces années, c'est évident que cette œuvre bien colorée ne peut pas qu'être soutenue par des solides racines qui sont cette foi que Rosemary vit. Cette foi qu'elle voit depuis qu'elle est toute petite, parce qu'à l'âge de 15 ans, elle décide de devenir religieuse en entrant faire partie de la congrégation des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus. Elle va prendre son diplôme en obstétricie. Elle a décidé aussi d'obtenir un master en éthique du développement.
Mais l'histoire dont elle nous parlera ce soir, elle commence en 2000 ans, quand elle prendra la conduite de l'école de Santa Monica à Guru, qui c'est le pycentre, c'est vraiment le centre des violences de ces guerrières. C'est là que Rosemary rencontre les filles dont elle nous parlera ce soir, et en particulier avec l'une d'elles, elle s'aperçoit de ce drame que ses enfants ont subi. Et donc elle décide d'impliquer toutes ses énergies à accueillir et leur offrir la possibilité de recommencer. Et comment elles peuvent recommencer à travers le travail. Et donc, elle leur apprend à coudre, à cuisiner. Et à travers le travail, elle essaie de leur offrir une possibilité de se remettre dans la piste. La professionnalité de l'école de Sainte-Monique s'est diffusée très rapidement. Et les produits de ces filles sont vendus dans tout le monde, dans le monde entier. Et certains produits peuvent être même achetés ici au meeting. Sa fame se diffuse dans tout le monde. Et carrément, elle a été nommée héroïne de l'année en 2007. Et en 2014, le Time l'a insérée entre les 100 personnalités les plus influentes du monde. A remarquer que juste deux de ces personnalités sont catholiques. L'une, c'est le pape François, et l'autre, c'est le Rosemary. Donc, on ne perd pas autre temps. Je laisse la parole à Rosemary. Racontez-nous votre histoire et d'où ça vient votre œuvre. I am very excited to be in this audience. Je suis vraiment ravi de me trouver avec vous ici aujourd'hui. Et je dirais que c'est le public le plus nombreux que j'ai eu l'occasion de rencontrer ici en Italie. L'année dernière, j'ai passé beaucoup de temps en voyageant par l'Italie pour la promotion de ce livre, Coudre l'espoir. Et c'est vraiment très intéressant, toujours intéressant, parce que quand je parle de ce que je fais, de ce qu'on fait, je parle de femmes et d'enfants. Et tout de suite, il y a des questions qu'on me pose. Pourquoi parlez-vous juste des femmes? On me demande. La réponse est simple. Les femmes sont mères. Les mères ont des fils qui sont des garçons et des filles. Ce sont les fils qui grandissent jour après jour. À partir de 1986 jusqu'à 2008, l'Ouganda du Nord a été touché par une terrible situation de guerre, qui a commencé par les rebelles de l'existence du Seigneur. Les motivations de ces rebelles étaient celles de renouveler les 10 commandements. Qui connaît les 10 commandements, pardon, sait qu'il y en a un qui dit « Ne tuez pas ». Mais les rebelles ont effectivement dépassé tous les 10 commandements. Ils ont brisé tous ces commandements. Ces rebelles enlevaient les enfants, les filles, les petites filles et les petits-fils, qui étaient leurs objectifs, et ils les faisaient devenir des petits soldats, des jeunes soldats. Mais les petites enfants étaient plus intéressantes parce qu'elles pouvaient avoir deux rôle. Elle pouvait devenir des esclaves sexuels. Elle était violée, elle était offerte par prix
à les commandeurs de ces rebelles. Certains de ces enfants venaient enlever de ces familles, l'un après l'autre, d'une seule famille. Et bien souvent, ces petites filles étaient violées devant leurs parents qui ne pouvaient rien faire pour les défendre. Et quand elles partaient dans le pays avec ces rebelles, ils étaient obligés d'amener avec eux dans leurs épaules des charges très lourdes. Et ils ne pouvaient pas se plaindre. Et s'ils se plaignaient pour le fait qu'ils étaient fatigués, les rebelles disaient aux autres enfants de tuer les enfants qui se plaignaient. Ça, c'était une façon pour faire un lavage au cerveau à ces enfants. Ces enfants se convainquaient qu'ils n'auraient jamais été acceptés s'ils arrivaient à retourner à la maison. Après quelques années de prison pour eux, beaucoup d'enfants ont essayé de s'enfuir. Ils ont réussi à retourner à la maison, chez eux. Mais ils n'ont pas été accueillis comme ils l'espéraient. Et ça valait en particulier pour les petites filles, parce que bien souvent, elles étaient enceintes. J'admirais beaucoup ces petites jeunes femmes. Il faut que je le dise, parce que elles avaient eu le courage de partir, de s'en aller avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Et retourner à la maison, pour elles, signifiait que leurs enfants étaient une façon de se rappeler toujours de leur période d'esclavage. Ces enfants devenaient un stigme, un symbole de ce qui s'était passé à ces jeunes filles. Et les familles même de ces jeunes filles n'acceptaient pas ces jeunes filles ni leurs enfants. C'est pour cela qu'on se demandait quelles sont les racines de ces enfants. Les pères de ces enfants étaient des assassins. Et ces jeunes femmes qui avaient été victimes de violences, qui avaient été obligées à tuer carrément leurs parents, leur chair, elles se trouvaient à nouveau à être des victimes dans la société libre. Et c'est pour cela qu'elle avait en elle-même ce sens de faute, de culpabilité, qui les abandonnait jamais. Je vous raconte maintenant l'histoire d'une fille qui s'appelle Sharon. Si vous avez eu l'opportunité de lire le livre, mon livre, vous avez pu lire l'histoire de Sharon, de ce que Sharon raconte. À un certain point, ils se sont retrouvés à devoir traverser un fleuve. Sharon, implorant les miliciens de la transporter de l'autre côté avec la sœur. Les miliciens, les rebelles, lui dirent qu'elle devait choisir entre la vie de sa sœur et la sienne. Sinon, elles seraient mortes toutes les deux. Et donc Sharon a été obligée de sacrifier sa sœur. Et lorsqu'il tuait sa sœur, c'est ce qu'elle raconte dans ce moment, elle raconte qu'elle avait l'impression qu'on la tuait soi-même. J'ai essayé d'aider Sharon à sourire. Je la laissais parler, je l'écoutais avec attention. Au début, Sharon ne voulait pas parler de ce qui lui était arrivé.
Elle avait peur que je ne la puisse pas la pardonner, je ne puisse pas la pardonner. Et je lui ai dit que j'avais pas besoin, moi, de la pardonner. Parce que seulement Dieu peut pardonner complètement. La mort de Jésus sur la croix a lavé toutes nos fautes et tous nos péchés, y compris ceux de Sharon. Ce témoignage du sang de Dieu sur la croix a aidé Sharon à aller au-delà de cet état. Ça l'a encouragé à apprendre à écrire et à lire. Elle a suivi mon conseil et à ce jour, elle est devenue une personne complètement différente. Elle a réussi à recoudre ses blessures et elle s'est pardonnée. Aujourd'hui, elle s'est mariée et a deux magnifiques filles, et elle-même, elle est magnifique. Un de nos objectifs a toujours été d'aider ces filles, ces jeunes femmes. Nous voulions qu'elles se sentent partie, non pas d'une école, mais d'une famille. Dans une atmosphère d'acceptation complète, où elles étaient aimées pour ce qu'elles étaient, avec leur passé douloureux qu'elles portaient sur le dos. Elles étaient embrassées et aimées avec compassion. Quand il arrivait que beaucoup de jeunes filles avaient besoin de ce type d'accueil, on a fait une annonce sur les radios publiques en invitant ces filles, ces jeunes filles, à venir à nous. Nos portes étaient ouvertes. Mon annonce était très claire. Elles devaient venir avec leurs enfants. Elle devait venir comme ça, dans les conditions dans lesquelles elles étaient à ce moment-là. Même si elles étaient enceintes ou si elles avaient été violées. Et j'ai trouvé ce courage parce que moi, j'avais eu l'expérience d'obstétricienne, mon expérience d'obstétricienne dans le passé. En effet, on a essayé de mettre en pratique ce que le dogme des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus dit. Vis l'amour dans la vérité. Et cela a été vraiment le moment où j'ai mis en pratique et vécu ce dogme. J'ai dû apprendre à vivre avec une nouvelle génération de personnes. En leur indiquant un chemin vers l'espérance. En connaissant leur passé douloureux, nous avons dû apprendre à vivre ensemble. Nous avons dû apprendre à devenir mère, leur apprendre à devenir mère. À aimer ces enfants qui étaient le fruit d'une situation très douloureuse, de grande souffrance. Et ce a été la situation la plus difficile pour nous. Les accompagner sur leur chemin très douloureux pour qu'elles puissent reconstruire une vie. Que leur vie puisse être recousue. Et qu'elles aussi, comme morceaux de tissu qui avaient été déchirés, ont pu être recousus. Naturellement, ceci demandait beaucoup de patience.
Ça n'a jamais été facile de trouver les paroles justes. Pour les convaincre, ces jeunes filles qui ne devaient pas, se... se sentir mal pour les actes atroces qu'elles avaient été obligées d'accomplir. Ce type de pardon devait être démontré dans la pratique. Ces jeunes filles se sentaient abandonnées de Dieu pour les péchés qu'elles avaient commis. Nous avons dû leur montrer que Dieu les aime comme elles sont. Un autre défi a été de travailler avec ces personnes sans ressources. Nous avons dû trouver le moyen de trouver des ressources. Nous avons dû vraiment travailler physiquement à côté de ces personnes en leur enseignant l'importance et l'éthique du travail. Et comme ça, je me suis rendu compte que je n'étais pas prête, que je n'étais pas préparée. Parce que aussi pour moi, c'était très difficile de gérer cette situation. Il me manquait les compétences professionnelles parce que j'étais devenue un point de référence pour ces jeunes filles et je ne savais pas quoi faire. J'avais mes diplômes, mais ça ne servait à rien dans cette situation. Le seul diplôme qui me servait, c'était celui de la compassion. Un diplôme d'acceptation d'amour. J'ai dû chercher en moi toutes les compétences que j'avais. Je n'avais pas beaucoup d'expérience, mais j'ai dû me baser sur le don de Dieu, de ce que Dieu m'avait donné. Et pour moi, ça signifie être présente. Être présent dans la vie de ces personnes, de les accompagner sur le long de leur chemin. Un chemin qui menait vers un futur d'espérance. Et ça, c'était une situation dans laquelle la foi était prise dans l'expérience et non prédiquée. Pour ces jeunes filles, Santa Monica était la première école dans laquelle elles étaient. C'était la seule école catholique qui acceptait les filles avec leurs enfants. Ces filles qui étaient enceintes étaient toutes accueillies de la même façon dans notre école. Nous avons dû appeler des mamans avec de l'expérience pour qu'elles puissent aider ces jeunes filles. Et de cette façon, nous avons réussi à aider ces jeunes filles à guérir leurs blessures. Ces jeunes filles savaient que leurs enfants étaient dans un endroit sécurisé, sûr, parce que on tenait beaucoup à ce que la communauté voie ses enfants, comme des enfants des rebelles. Et donc, elles avaient peur que la communauté se retourne contre ses enfants. Mais Santa Monica était un endroit sûr pour les mamans et les enfants, au contraire. Il était compliqué de savoir si on avait vraiment pris le bon chemin. L'idée que j'avais en tête,
était une approche holistique. Une approche holistique de la personne humaine qui se développe, qui évolue. Et ce, dans le temps, ça m'a aidé à développer mon moi. Nous avons enseigné à ces filles des compétences simples qui étaient très utiles pour leur futur, car ça les rendait autonomes pour leur chemin, pour leur futur. Nous avons dû leur enseigner des leçons pour leur futur. Nous avons dû être innovantes. Nous avons dû nous improviser entrepreneurs. Nous voulions que ces filles participent physiquement à toutes ces activités. Et comme ça, nous avons décidé de développer ce projet dans lequel elles apprenaient à coudre. Nous avons enseigné les rudiments de l'agriculture et aussi elles ont commencé à cuisiner de façon très belle, très bien. Et moi aussi. Moi aussi j'ai appris. Et nous avons réussi à convaincre ces filles à apprendre à cuisiner. J'ai dit à ces filles, tout le monde aime manger et donc tout le monde doit apprendre à cuisiner. Ceci est un travail juste. Et donc j'ai dit, souvenez-vous, ceux qui mangent ne mourront jamais. Assister ces personnes qui avaient des traumas. Ça signifie qu'on doit agir un pas après l'autre, une chose à la fois. Donc nous avons dû trouver le meilleur moyen pour pouvoir les introduire dans la société. Et j'ai été très contente de pouvoir annoncer, très fière de pouvoir annoncer qu'aujourd'hui, ces personnes... Les personnes qui viennent visiter notre centre de conférence peuvent goûter la cuisine de ces filles. Et donc ces filles ont par exemple appris à faire le service au restaurant. Mais elles doivent payer pour la nourriture qu'elles mangent. Et donc comme ça, elles commencent à apprécier petit à petit. Et donc, petit à petit, les gens ont offert des opportunités de travail aussi pour elles. Et nous, les avons encouragés à aller dans des petites entreprises, à débuter dans des petites entreprises. Nos étudiants se voient traités avec beaucoup d'amour. Et je leur dis tout le temps de viser la perfection. Et je leur dis que je n'accepte aucun type de déchet. Donc moi, je suis le contrôle qualité de tout ce qu'elles font. Et donc, pour vous prouver que je suis vraiment un contrôle qualité, je vous montre ce que nous faisons avec les déchets. Quand je suis entrée, je suis sûre qu'on a pensé que moi j'étais un mannequin.
Ceci, cette, cette, ce sac est fait avec du matériel recyclé. Et ça, c'est très important pour mes filles. Parce qu'une fois, elles aussi, elles ont été associées à des déchets. Et avec beaucoup de travail et beaucoup de patience, ceci est le résultat très beau. En usant des morceaux de canette et du fil. Et je dis souvent aux filles, je dis toujours aux filles, que le passé est le passé. Et que leur futur ne sera pas défini par leurs souffrances passées. Et je veux qu'elles puissent marcher la tête haute pour le reste de leur vie, avec dignité. Et si vous voyez quelqu'un qui travaille avec autant d'envie, alors il y a de l'amour et de la dignité. C'est une chose que j'ai toujours dite, que je leur ai toujours dit. Aimez les enfants qui vous sont donnés de ces situations de souffrance et de douleur. Ils sont l'image du Seigneur. Indépendamment de la façon dont ils sont venus au monde. Ce qui est arrivé dans la vie de ces jeunes doit nous rappeler à quel point nous devons encore utiliser, nous devons encore interrompre le cycle de la violence. Nous devons travailler tous pour construire la paix. Et nous devons savoir et nous souvenir que ceci est une chose qui pourrait arriver partout. Et nous ne devons pas oublier que ces filles ont droit à un futur meilleur. Et merci à vous et merci à moi. Grâce à vous et grâce à moi, pardon. Nos jeunes en Ouganda, les enfants qui sont nés en prison ont un héritage en Dieu. Ont un héritage dans le règne de Dieu. Et le titre de ce meeting le met en évidence. Elles peuvent retourner à occuper l'endroit que Dieu leur a donné quand il les a créés. Je veux que tous vous vous souvenez que chacun peut faire beaucoup pour changer la vie de ces jeunes. Et vous ne devez pas dire je ne peux rien faire parce que la situation est trop importante, trop difficile. On peut commencer en faisant des petites choses. Faites un pas à la fois. Et souvenez-vous que si vous sauvez une femme, un enfant à la fois, vous avez déjà fait beaucoup. Donc, m'avoir écouté, vous ne faites aucun pas dans ce sens, si vous ne lisez pas le livre Recoudre l'espérance, vous ne saurez pas vous pardonner. Parce que vous n'êtes pas en train d'interrompre le cycle de la violence.
Ce n'est pas une œuvre de Shakespeare, ce livre que j'ai fait. Quand vous voyez ma photographie sur la couverture, vous devez m'oublier. Vous devez écouter les voix qui sont dans le livre. Et vous devez vous laisser toucher et, par cette situation. Thank you. Thank you so much. Aspetta. Leggevo. Je relisais ces dernières semaines un livre que certains d'entre vous connaissent peut-être, de Paul Claudel. J'ai été touchée par une phrase qui dit « La sainteté n'est pas de se faire lapider en terre de païens, la terre des païens ou de baiser un lébreux sur la bouche, mais de faire la volonté de Dieu avec agilité, qu'il s'agisse de rester à notre place ou de monter plus haut. » J'y pensais en pensant à ce que j'ai lu dans le livre, mais encore plus après ce soir, parce que c'est vraiment l'un des points de gratitude par rapport à cette rencontre avec Rosemary. Non pas parce que chacun d'entre nous doit partir en Afrique, mais parce que chacun d'entre nous peut vivre de manière authentique sa foi, comme nous l'a témoigné Rosemary. Cette joie, cette allégresse, cette plénitude de vie que nous avons vu en étant avec elle ce soir, est possible pour chacun d'entre nous. Je pensais pendant ces jours de meeting, peut-être que certains d'entre nous font la cuisine ou d'autres font du nettoyage ou d'autres présentent une exposition. Certains sont venus juste pour une journée. Mais chacun d'entre nous a la possibilité de vivre intensément la réalité de tous les jours. Et la plénitude et la joie, comme nous l'avons vu dans sa vie, même face aux douleurs qu'il y a dans la vie, est donnée, vient de cette disponibilité à écouter la voix du Seigneur, comme nous le racontait Rosemary. Et nous avons entendu combien cela suscite une liberté, une capacité à ne pas se lasser, une créativité, pour suivre ce que le mystère nous donne, sans partir de nos projets, mais de ce qui arrive. En entendant encore ce qu'elle nous racontait, j'étais touchée par ce regard qui a pénétré sa vie et qui a donc pu pénétrer, toucher ces jeunes filles. Ça n'est possible, comme on le comprend dans ces jours de meeting, que si l'on désire chaque jour, si l'on s'implique chaque jour dans ce travail pour reconquérir ce que nous avons reçu. Je conclus en lisant deux lignes de Don Giussani qui dit « Le véritable problème de la sainteté chrétienne n'est pas le choix d'une attitude à avoir dans le monde, mais la reconnaissance de quelque chose qui nous est arrivé et qui s'est donné à nous et qui nous change jour après jour, qui change jour après jour notre attitude et notre visage. Notre valeur, comme celle de ces jeunes filles, notre valeur réside dans la réalité objective de ce fait auquel adhérer et duquel être, se laisser investir. La clé de voûte n'est pas de s'appuyer sur soi-même, et c'est évident dans son histoire et dans sa foi. Ce n'est pas de s'appuyer sur soi-même, mais d'adhérer à quelque chose qui s'est manifesté dans la chair. En donnant deux informations, je pense que ça peut être non pas une formalité, ce que je vais vous dire maintenant, mais que cela peut être vraiment la possibilité de comprendre concrètement ce que signifie adhérer dans la chair à cette rencontre qui fait que chacun d'entre nous est ici. C'est la possibilité réelle de contribuer en faisant un don. Le problème n'est pas la quantité, le chiffre, mais de ne pas être indifférent, de pouvoir dire « moi ».
Vous trouverez dans les pavillons des endroits, des stands pour donner. Et les dons peuvent se faire dans les stands qui sont consacrés uniquement. Et vous y trouvez des jeunes avec des t-shirts verts sur lesquels il y a écrit Donna Aura. Donc les autres annonces, la deuxième annonce très importante, c'est que vous ne voyez pas bien, mais ces sacs sont vraiment magnifiques. Il faut les voir. Donc ces sacs sont disponibles ici, à la sortie de la salle. Et vous pouvez acheter aussi le livre, ici ou en librairie. Au sujet de Rose, la sœur Rosemary nous a aussi rendu, c'est aussi rendu disponible pour rencontrer ceux qui le souhaitent demain, entre 16 et 17 heures. Au stand de l'exposition L'Église en sortie, au pavillon A5. De 17h à 18h, elle sera cette fois à la librairie du meeting pour signer les exemplaires de tous ceux qui auront acheté le livre. On la remercie encore par un applaudissement. Thank you. That has been good. Thank you.